Du coup, la problématique que j'avais, c'était que quand on charge, quand on intègre une vidéo, par exemple YouTube, YouTube télécharge la planète entière. Pour vous démontrer ça, au moment où je clique, là c'est YouTube qui charge. Donc on voit que YouTube télécharge plein de choses. Et il y a un fichier JS qui s'appelle base.js qui fait 2,2 MO. Et moi, j'ai pas envie de charger ça directement quand je lance, quand j'arrive sur ma page, sachant que j'ai déjà fait des efforts pour justement minimiser le poids de la page. Là, on voit que je suis à 91 kilooctets. Donc, je suis satisfait de ça et j'ai pas envie que YouTube se lance directement au lancement avec ses plus de 2 MO, enfin au minimum. Donc j'ai cherché une solution pour trouver juste l'image de mise en avant, le thumbnail et le titre de la vidéo. Pour ça, j'utilise NoEmbed. Donc c'est une API où on lui envoie une URL et il nous renvoie les informations principales. Donc le titre et le thumbnail aussi. Quand je charge la page, je charge juste ces informations et on voit que là il y a l'image avec 17K et NoEmbed là taille, voilà on a moins de 20 kilooctets au lieu de 2 MO. Et donc quand je clique sur la vidéo, là je lance le script qui permet d'aller, enfin, il me remplace par l'embed, le lecteur YouTube, il va me télécharger ce qu'il a besoin. Ce qu'il a besoin et d'autres trucs. Et il va lire automatiquement la vidéo, puisque là j'ai fait l'action de lire, et j'estime que, enfin voilà, c'est ce que veut l'utilisateur. Donc ça me permet d'économiser pas mal de bandes passantes, et aussi du temps de chargement. Donc moi, ce que je voulais faire, c'est ce lecteur personnalisé, mais avec différents états. Puisque au chargement, je vais lancer mon script qui va appeler une API. Donc j'ai un état de chargement. Donc durant cet état, on aurait aussi ça, un message chargement du lecteur. Et ici, le titre aussi qui va se charger. Probablement avec un effet dans ce style-là. Puis après, une fois que le lecteur est chargé, on affiche l'image de thumbnail et le titre de la vidéo. Et s'il y a des erreurs, par exemple, l'utilisateur n'a pas le JavaScript activé, mais ça peut être aussi, par exemple, si NoEmbed crash ou peu importe, mais si en tout cas on a une erreur, on ne reçoit pas les informations, on n'affiche pas le titre et on affiche une erreur avec le titre, le lien de la vidéo quand même, qui permet à l'utilisateur, si jamais d'aller voir quand même sur YouTube, s'il peut quand même voir la vidéo. Donc voilà pour la conception de ce lecteur éco-conçu, je dirais. Je pense que le prochain live, du coup, je vous montrerai comment ça fonctionne au niveau du JavaScript et puis de l'administration aussi de Kirby. Voilà, merci.